Eh bien, salut tout le monde, c'est Ludo, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle série sur Lego Le Hobbit, et je suis vraiment ravi de que l'on se retrouve pour ce nouveau jeu Lego. Aujourd'hui, eh bien, nous allons faire le premier chapitre de ce nouveau jeu. Ah d'accord, apparemment on va cramer... D'accord, il y a Smaug qui va nous cramer les fesses. Ok, donc... nous allons sûrement avoir accès au menu, voilà. Ah bah voilà. Bah, je suis vraiment ravi, écoutez, de vous retrouver sur ce nouveau jeu Lego. Donc, accepter. Ah bah non, attendez, hop, on va faire ça. On va vraiment mettre les coins. Tac, tac, voilà, accepter. Et donc, nous allons faire une nouvelle partie. Emplacement 1. Eh bien, c'est parti. Allez, c'est parti pour une cinématique. Mon cher Frodon, tu m'as demandé un jour si je t'avais tout raconté à propos de mes aventures. Tout commença il y a fort longtemps, dans une lointaine contrée à l'est. Là était la ville de Dale, paisible et prospère. Car cette ville était située aux portes du plus grand royaume de la Terre du Milieu. Erebor. Place forte de Tror, roi sous la montagne, le plus puissant des seigneurs nains. Sa lignée était assurée en la personne de son fils et celle de son petit-fils. Tous devraient lui rendre hommage, même le grand roi des elfes, Tranduil. Seigneur, notre roi souhaite que vous supervisiez le travail dans les mines de ce jour. Eh bien, c'est génial. Donc, on va sûrement devoir aller dans les Cette mines. Ville fortifiée, bâtie au sein même de la montagne, était légendaire. Ah d'accord, donc lui, il compte parler pendant tout l'épisode. D'accord, bah écoutez, il va parler à ma place alors. Alors, donc... Ouais, bah écoutez, on va sûrement essayer de récupérer un max de pièces si jamais... Hop, voilà. Ok, donc bah là on n'a pas grand chose à faire si ce n'est d'accord, on va devoir en fait je pense péter ces éléments là pour voilà ouais. Donc alors attendez, on va reconstituer tout ceci, voilà. On peut reconstituer là ou pas? Comment ça se passe? Non? Ah d'accord, bon faut exploser ça aussi alors je suppose. Voilà, et celui-ci aussi, pourquoi pas? Voilà, ok donc X. Maintien. Ah non mais je m'en fous en fait, attends. Attends, c'est pas ça moi que je veux. Ah merde, attends, maintien B. Appuyez pour construire. Oui, non, mais sans sérieux. Oh, quand même. Si je me souviens plus de ça, quand même, c'est grave là. Ok, là, c'est bon. Ah, mais en fait. Ah, mais ils ont vraiment fait des tutoriels ou quoi? Comment ça se passe? Ah, ouais. Maintenez Y, appuyez pour afficher la roue de jeu et sélectionner le vieux avec un. D'accord, attends. Alors, le vieux avec. Voilà. C'est Train. Ok. Non, mais. D'accord. Et il va nous servir à quoi sinon lui là? Ah bah d'accord. Mais fallait le savoir hein, si jamais. Non mais c'est merci, enfin d'accord, merci. Attends, je vais reprendre lui parce que lui me fait peur lui avec son marteau. Ah d'accord, en fait il nous suit aussi donc bah oui pourquoi pas. Alors donc on va aller dans les mines. Par contre il y a un truc que j'aimerais savoir. Attendez juste 2 secondes. D'accord. Ok. Ok, non, c'est juste le fait que
Les trucs sur les côtés, vous voyez, là où il y a les personnages et tout, je trouvais que par rapport aux autres jeux Lego, c'était assez éloigné, mais c'est normal, c'est par rapport aux réglages que j'ai fait en début de jeu. Franchement, ça ne dérange pas le fait que ce soit vraiment sur les côtés. Au pire, je crois que c'est changeable, et puis au pire, on s'en fout, on verra bien, hein, n'est-ce pas? Franchement, moi, ça me dérange pas que ce soit vraiment sur les côtés de l'écran et pas milieu et côté, quoi. Enfin bref, on verra bien. Oula. Ah d'accord. D'accord, le jeu a quelques petits bugs apparemment, c'est pas grave, pas grave. D'accord, il va me faire un apport non, comme ça, ils sont sérieux là ou... Alors attendez, je suppose qu'il y a encore des choses à péter. Ou pas. Ah, voilà. Ah, qu'est-ce que c'est ça? D'accord, pour le moment on sait pas. Alors, on va déjà péter celui-là aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit lui? Appuie sur B pour ramasser la pierre, hein, et maintiens Y appuyé pour... Ah d'accord, ok. Faut la prendre et la viser sur ceci en fait. Ok, tout simplement. Vas-y, tombe sur les gardes. Ah non, d'accord. Non, ils nous ont fermé la porte au nez, donc autant les écraser un bon coup, au moins ils nous en mettront plus, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Bon appétit les mecs, moi je me casse. Ok, ça roule. Provenait de la terre, de pierres précieuses taillées dans le roc, et d'immenses filons d'or courant tels des rivières à travers la roche. Exactement, Coco. Même moi, je l'aurais pas dit mieux. Alors, attends, hop, on va faire ça, tac, tac, et là, on fait comment pour monter là-dessus, si jamais on fait... Non, on fait pas. Ah, on fait comme ça, ok. Attends, on va prendre le fou, attendez. Ouais. Bah ouais. Ouais. Mais... Ah, pardon. Pff, autant pour moi. Ah oui, c'est sûr que si j'explore pas la salle à fond... Voilà. Ok, donc... attendez, par contre, je vais reprendre juste... Torrid et je vais aller chercher, voir s'il n'y a pas autre chose par ici, là, non? Ah! Par contre, ils se sont un petit peu loupés au niveau de l'ombre. C'est que dans les anciens Lego, comme Lego Seigneur Zano, là actuellement, il y aurait eu de l'ombre sous le personnage. Là, bizarrement, ça y est pas. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Ne me dites pas qu'ils ont pas mis le budget pour. Ou alors c'est moi qui ai pas mis les ombres. Attendez. Mais en principe, il n'y a pas de souci avec les ombres. Hein, je pense pas. 5 première fois icône d'accord. Paramètres d'écran. Ça c'est ce que je vous ai dit. Paramètres d'effet, les shaders et tout, toc, toc, toc. Non, mais tout est bon dans le cochon, donc c'est bon. Attendez, on va continuer. Alors, hop, on va casser ça là pour voir. Voilà. D'accord, c'est que pour des pièces. Bon, écoutez, on va poursuivre. Donc là, apparemment, ils sont en train d'examiner ce qu'ils ont trouvé. Bah, examinez bien, les mecs. Hein. Moi, j'y vais, hein. Désolé. Alors, hop là, petite pièce bleue. On va récupérer celle-ci aussi. Eh bien, on dirait que nous sommes actuellement dans la forge. Donc, qu'est-ce que nous avons à faire? Salut, mec. Non mais reviens! C'est pas parce que je t'appelais mec qu'il fallait partir, hein! Non! D'accord, moi bon, il est parti. D'accord, ok. Alors, la pierre astuce. Des articles utiles peuvent être forgés sur une enclume avec le butin Lego trouvé à l'intérieur d'objets Lego. Oui, tout à fait, oui. Ok. Bah écoutez, on va essayer de péter un peu tout ça parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir pas mal de choses. Oh, il y a un passage secret là! Aïe! Ah oui, d'accord, attends, il faut lui, là. Attends, dégage-moi ça, toi. Voilà, merci. Oh, c'est une sorte de mini-kit. Génial. Donc, comment c'est bien, on perd pas nos repères. Hein. Voilà. Ah, tiens, ça pète pas mal. Voilà, nickel. Donc, je pense que c'est ça qu'il voulait dire et qu'il nous fallait. Et ça leur... Ils font de la musique, là-haut. Ah, mais j'adore leur rythme de musique. Non, j'écoute. Non, mais en fait, c'est comme dans le film, à un moment donné, quand il faut montrer la prologue et tout. Enfin, l'intro, pardon, pas la prologue. Appuyez sur B pour emprunter les petits tunnels Lego. D'accord, en plus, il y a des petits tunnels Lego. Ah bah oui, comme avant, purée, non, d'accord, non, je suis à la masse aujourd'hui, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Ok, donc maintenant, on va aller ici. Ah, qu'est-ce que tu veux, toi? Putain, j'ai failli taper sur le personnage, quoi. Appuyez sur B pour tourner la manivelle. Ouais, comme d'hab, quoi. Alors, attendez, B... On appuie plusieurs fois sur B. Ok, ça roule.
Ça va permettre d'arrêter, voilà, la forge. Voilà, et en bas, cela va nous permettre de débloquer quelque chose, je suppose. Ok, ça roule. Donc, est-ce qu'on doit faire quelque chose? D'accord, j'ai explosé tout ce qu'il fallait. Ah, tiens. Ah, ok, d'accord. C'est qu'en fait, nous avons un certain style d'argent. C'est-à-dire, nous avons les pièces, n'est-ce pas? Et nous avons aussi les sortes de minerais. Qu'est-ce qu'il fait, là, par contre, lui? D'accord. Nous avons en quelque sorte les minerais à collectionner, enfin collectionner, à récupérer surtout. Comme par exemple, ici, là, nous avons des rubis, je suppose. Voilà. Ok, donc on récupère les rubis. Voilà, venez par ici. Et là, nous avons par exemple des saphirs que nous devons récupérer. Donc après, ces éléments-là vont sûrement nous permettre sur cette enclume de créer des choses. Donc attendez, B. Dépenser le bulletin, c'est ça. Donc, nous allons pouvoir... Oh là, comment ça fonctionne là, par contre? Oui, tout à fait. Attendez, vous savez quoi? Pas, au hasard, on va faire celui où il y en a le plus. On va faire les... Voilà, on va faire les rubis. Ok, en fait, je pense qu'il faut tout mettre, en fait. On va pas se gêner, on va tout mettre. Enfin, j'espère qu'il faut tout mettre, parce que sinon, je suis dans la bouse. Appuyez sur X, A, B ou Y pour remplir l'anneau de forage, lorsque la lueur apparaît. Ok, ça roule. Donc, on va appuyer sur B. B. A. X. A. Et c'est fini. Et nous avons constitué... Oh, purée. M'a fait peur, j'ai cru qu'il allait écraser le personnage. Il était sans égal. Il façonnait des objets d'une grande beauté. Incrustés de diamants, d'émeraudes, de rubis et de saphirs. Un objet tel que la clé de forage gemme peut ouvrir ce verrouillage. Appuyez à B. Attends, appuyez sur B à côté du verrou pour la placer. Non mais sérieux, et le mec... Enfin, je me souvenais plus dans le film qu'il mettait son truc au-dessus de la tête et que t'as le... T'as les deux marteaux géants qui allaient le taper dessus. Moi, je croyais que le mec, il allait se faire écraser par les deux marteaux, quoi, tu vois, je... Enfin, voilà, quoi. Alors, B. Allez, ouvre ta porte. Voilà, merci, Michel. Ok, donc quand faut y aller. Ouvre la porte, s'il te plaît. Voilà. Allez, moi, je vais y aller, là. Ok, ça roule, donc toi là. D'accord, lui, il lui faudrait une flûte. Eh ben, elle est là ta flûte, Coco. Hop. Bon, alors, on va lui donner. Ouais, ça va être l'album de l'été, ça. Ok, donc... c'est quand tu veux, gros. D'accord, on a une... D'accord, attendez. On a une... Voilà, une plaque astuce. Machin peut miner du butin Lego avec sa pioche. Ok, d'accord, ça roule. Appuie sur X lorsque la lueur apparaît pour gagner un bonus de butin Lego. Ouais, tout à fait. Alors, c'est lui qu'on va prendre. Alors, qu'est-ce qu'il appelle la lueur... Ah, bah, c'est ça, là, la lueur des... Attendez. Ah, d'accord. Oh oh oh, GG! Oh pardon. C'est ça qu'il fallait faire, j'espère. Ah oui, c'est bon. Alors, X. Ishpak! Ouais! Allez, on va récupérer tout ce qui nous doit là. Hop hop hop, voilà. Donc, je pense que à terme, ces éléments vont nous permettre de. Ah tiens, déjà, on va pouvoir construire un truc. Ces éléments vont nous permettre de fabriquer des éléments que nous aurons forcément besoin à un moment donné ou à un autre. Ah tiens, ça c'était à moi ça. Donc là, actuellement, nous avons 10 planches et 9. Je pense que c'est du charbon, hein, je vais pas m'avancer, mais je pense que ça va être ça. Donc, nous allons faire... donc, on va prendre 10 planches et... 10, 9 charbon. Ou 2, enfin, j'ai pas vu, en fait. Ah, d'accord, en fait, là, maintenant, il nous faudrait une corde. Ok, donc, nous n'avons pas la corde. Où est-ce qu'elle pourrait bien se trouver? D'accord, là, déjà, nous avons la corde.
Il n'y avait pas des... Ah non, ça c'est des bâtons de bois, pardon, tant pour moi. Hop. Et ça là, on peut le péter ou comment ça se passe? Non, d'accord, ça va disparaître. Ok, donc on va se replacer ici. Donc maintenant, nous avons de la corde. Hop, où est-ce qu'elle est? Voilà, c'est bon. Ok. Et il nous faudrait quelques bâtons de bois, enfin des planches de bois supplémentaires. Où est-ce qu'on peut les avoir? 6. Voilà, nickel, je pense que c'est bon. Voilà, qu'est-ce que c'est? Termine la construction Lego en trouvant des pièces qui manquent. Trouvez-les rapidement pour recevoir un bonus de pièces. Ah, ok, c'est comme dans Lego la grande aventure finalement. Alors, je suis assez content qu'ils aient gardé ce système parce que c'est vrai que j'aime bien ce petit système de construire. Oh purée! Ah! J'aime bien ce système de reconstituer des éléments comme ça. Ok, qu'est-ce que c'est ça? C'est fini? Oui, mais moi je fais quoi là en fait? Ah, il nous faudrait hop, une sorte de petit volant. Maintenant nous avons besoin de cet élément là, hop, en haut à droite. Ensuite, petit carré en à gauche tout court. Et je pense que ça va être à peu près bon. Ok, nous avons besoin de cet élément là, tout à fait en bas. Nous avons besoin de cette tige à droite. Ok, nous avons besoin de cette roue à gauche. Et nous avons besoin de ce petit truc en haut à droite, voilà. Voilà, nickel, parfait, j'ai récupéré 10 000 pièces. Oula, qu'est-ce que tu fais mon gars là? Qu'est-ce qu'il fait là? Merde! Non, ouais, je sais, j'ai pas... Attendez. Voilà, nickel. Ah d'accord. X. Ok, pile poil comme il faut, nickel. X. Hop là, voilà, pile poil comme il faut aussi. Creusait toujours plus profond, loin dans l'obscurité. Tout à fait, Coco. Qu'ils le trouvèrent. Hein, on va trouver quoi? L'Arkenstone, le cœur de la montagne. L'amour de l'or était devenu chez Thor une passion dévorante. Une maladie avait commencé à s'emparer de lui. Et quand la maladie vous ronge, le malheur n'est pas loin. Ils entendirent tout d'abord un bruit semblable à celui d'un ouragan. Balin, sonne l'alarme. Qu'y a-t-il? Un dragon. Un dragon! C'était un cracheur de feu du Nord. Cette ville des hommes n'était rien. Les dragons convoitent l'or avec une avidité féroce. Smaug était venu. Ok, ça roule, donc le dragon vénère était venu. Alors, on va utiliser qui là? Lui je suppose, n'est-ce pas? Donc B, hop, déjà on va pouvoir tirer ça avec ce personnage là. C'est parti, voilà. Bon, déjà au moins ça dégage le passage, c'est ça qui est bien. Oula. Ah mais il est comme ça lui. Pas de quartier. Allez, c'est parti. Donc maintenant nous allons devoir utiliser quel personnage? Les personnages munis d'une hache comme celle de machin peuvent briser les planches Lego lézardées. Appuie sur X pour... Oui, non, tout à fait. Ça, par contre, oui. Non, mais attends, tu vas pas nous le rappeler quand même, attends. Donc, on va utiliser Thorin, jeune, parce qu'après, il a été vieux, forcément. Voilà, ça, c'est bon. Ah, tiens, il y a des trucs à récupérer, ça peut être pas mal. Ah non, là, c'est que des pièces. Ah non, il n'y avait, pas que des pièces, donc ça, c'est pas mal, ça. Faut vraiment tous les récupérer, ça peut être très utile. Ok, ça c'est bon. Il faut deux personnages tels que machin et machin pour casser un en duo. Ok. Appuie sur B pour travailler en duo. Ouais, mais ça roule. Il n'y a pas de souci. Donc, B.
Qu'est-ce que nous a fait là par contre? Voilà, c'est bon. Il s'est loupé ou quoi? Ah non, d'accord. Je croyais qu'il s'était pris le truc en pleine tronche. J'ai eu peur là, je me suis dit oula. Non, par contre, les duos c'est fini là. On n'est pas au plus grand cabaret du monde là, je sais pas, non? Ah si? Ah d'accord, bon bah. Ok, bon. Ils ne facilitent pas forcément la tâche. Au pire, ils sont très bien comme ça, tous les deux. On va les laisser comme ça, ils ont l'air de bien s'entendre en plus. Non, en fait, on est obligé par contre. Attendez, hop, c'est lui qu'il nous faudrait, donc B. Hop, on appuie plusieurs fois sur B. Ok, nickel. Donc, on dégage le passage. Le passage qui est à droite avec les grilles dorées. Argentées, pardon. Ça sera pour le mode de jeu libre. Donc, ce qui fait que c'est pas pour le moment. Hop. Donc on va pouvoir descendre juste en dessous. Ok, là il nous faudrait deux personnages. Donc encore une fois, je pense qu'il va nous falloir... Vous pensez que ça serait plutôt Balin qu'il nous faudrait? Attendez, on va voir sur la pierre d'astuce. Non, c'est toujours les mêmes en fait, autant pour moi. Non, par contre, toi dégage, voilà. Donc en fait, il nous faudrait, voilà, Thorin. Et je me rappelle plus comment il s'appelle l'autre. C'est Dory, pardon. Alors Dory. Dory. Ah, Dory, il a pas envie de venir là. Dory fait dodo, hein, Dory dodo, enfin bref. Donc on appuie sur X. Je sais pas s'ils se rendent compte, mais ils ont failli écraser leur allié quand même. Ok, donc le dragon va pas tarder à rentrer si jamais. Oh, ce type est mignon, regardez. Ils se tiennent la main. Ah, oh, c'est mignon. C'est trop mignon. Alors, allez, tous ensemble. Ce jour vit des morts aussi cruelles qu'inutiles. Ouais, tout à fait. Oula, d'accord. Non, en fait, je voulais avancer par là-bas, mais je me suis dit non. Quand j'ai vu ça, je me suis dit on va peut-être pas avancer. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait à faire? T'es qui toi? T'es personne, d'accord, merci d'être venu. Donc, oh, des pièces violettes! Ah bah là, au moins j'en avais pour mon argent, j'ai envie de dire. Alors. Ok, donc on fait tourner la. Le gourdin, j'ai envie de dire. Enfin, j'aurais envie de dire les serviettes, mais je me suis dit non, ça serait trop... Non, d'accord, en fait, j'arrête. Donc, les gens, on va récupérer tout ça, ça peut être utile, comme je vous l'ai dit. Et par contre, ça arrête de voler, voilà, nickel. Ok, ça roule. En fait, on va être obligé de passer par ici, c'est ce qui paraît logique. Ici, nous avons un marteau. Voilà, le marteau, c'est bon. Alors, B. Qu'est-ce que nous allons bien pouvoir exploser? Je crois que c'est ça, en fait, qu'il va falloir exploser, hein. Ah bah en fait non. Donc déjà on doit reconstituer tous ces éléments là. Ok, nickel. Oh tiens, plein de pièces là, c'est génial ça. Alors B, on a appuyé plusieurs fois sur B. Ok, voilà, ça envoie du lourd. Donc on va devoir reconstituer tous ces éléments là pour pouvoir ouvrir la porte, évidemment en le projetant avec le marteau que l'on a récupéré juste avant. Voilà, donc on appuie sur X, c'est parti. Ok, ça c'est ouvert au moins, on y va. Ok, ça roule, c'est... Qu'est-ce qu'il fait, lui? Bref. Ok, ça roule. Donc, on va devoir avancer. Oh, j'en veux. Donnez-moi tout! Non? D'accord, il n'y a plus rien à récupérer, ok. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant, ici? Oh, il y a encore un coffre! On va tout récupérer. Ah, bah là, au moins, ça fait plaisir, je remplis mon sac. Donc. Qu'est-ce que je fais, moi, maintenant? Oh, il y a encore un coffre, ici! Ah mais c'est bien d'aller chez lui, au moins on récupère pas mal de choses. Alors, oh là, ça va me tomber sur la tronche là, je sens.
Dégagez. Ah, dégagez. Ok, c'est bon. J'aimerais monter. Voilà, merci beaucoup. Ok, ici on va tout avoir tout explosé. Allez, on fait tourner le gourdin. C'est bon. Ok, donc là il y a plein de choses à... Qu'est-ce qu'il a foutu là par contre? D'accord, c'est pas grave. Donc, on va reconstituer ceci. Ça va être une sorte de petit pont, je dirais. Ah tiens, il y a ça à récupérer par contre. Voilà, merci. Oula, qu'est-ce que c'est là? Ah! C'est Monsieur Dragon qui nous les casse. Ok, ça roule. Donc, on va devoir avancer. Ah, une pierre astuce. Attendez, on va voir ce qu'elle nous dit. Ça peut être utile. Utiliser un fléau. Ah, d'accord, ce n'est pas un corps, mais un fléau. D'accord, ça au moins c'est. Non, par contre, non, remets, pardon. Voilà. Tel que Dorin. Non, Dory. Enfin, ouais, bref. Pour pouvoir accrocher. Oui, non, ça on le savait déjà. Appuie sur rien. Ok, ça on le savait déjà, Coco. T'inquiète pas. Ah, en fait, non, on le savait pas. Autant pour moi. Ah mince. Ah bah, autant pour moi. Voilà, bah maintenant, on s'en sait. Voilà, ok. Et là, du coup, il se débrouille, ouais. Il se débrouille, allez. On va y aller sans lui parce qu'on, de toute façon, on n'a pas besoin de lui, nous. Alors, tiens, on va s'accrocher ici. Et toi, tu accroches ici. Voilà, c'est bon. Descends de là, toi. Ok, ça roule. Oh, des pièces violettes, nickel. Bon, on est un petit peu plus de 50%. Voilà, on est à pratiquement à 80%, je dirais, au niveau des pièces. Et on va devoir courir aussi vite que possible. Oula, par contre, il nous suit ou quoi? Attends, il nous follow, le mec. Ah, purée, mais arrête de me follow et abonne-toi à ma chaîne. Non, j'ai conne. Alors, c'est parti, attendez. Alors, hop. De toute façon, pour moi, on n'a pas grand-chose à faire, si ce n'est que récupérer des pièces. Ah, d'accord, eux ils se sont fait cramer, pas comme moi. Oh, un mini-kit. Ah, d'accord, je pensais que la porte allait l'arrêter, mais en fait, non. Erebor était perdu. Sauf qu'il peut ! Aidez-nous, je vous en prie ! Tranduil ne mettrait pas la vie des siens en péril face à la colère du dragon. Aucune aide ne vint des elfes ce jour-là, ni aucun autre jour depuis. Le jeune prince nain, jamais il ne pardonna, et jamais il n'oublia. Eh bien voilà donc le plus grand royaume de la Terre du Milieu, ben ça au moins ça c'est un titre assez long, n'est-ce pas? Donc nous avons débloqué Thorin, jeune. Après, il deviendra vieux. Donc, Train. Chouchou. Balin, jeune. Mais il a toujours été jeune. Enfin, ou alors il a toujours été vieux, je sais pas. Thorin. Garde nain en armure. Et c'est tout. D'accord, je sais pas si c'est pas Frodon en bas. Enfin, bref. Donc, nous avons débloqué un total de 100 et quelques mille pièces. Donc, 109 000 pièces. Pour un total de 84% de pièces. Nous avons récupéré deux mini-kits. Donc, ok, ça va reconstituer... Oh, c'est une luge! Non, j'y connais. Donc, on va continuer. Donc, nous avons débloqué quoi, là? Événement de la Terre du Milieu déverrouillé. Ok, donc ça, c'est... D'accord. Ah, d'accord. Ah, ok. Quatre événements. Donc, on verra ça. Enfin, on verra ce que c'est. Ah, par contre, ça n'est pas... Ah, d'accord, ok. Donc ça marche un peu comme dans Seigneur Zanou, je pense. Donc continue sort pour voir ce qu'ils attendent la semaine prochaine. C'est là, mon cher Frodon, que je fais mon entrée. Dans un trou vivait un hobbit. Ok, ça roule. Bah écoutez, on se croirait dans le Seigneur des Anneaux, n'est-ce pas?
C'est exactement la même chose. Eh bien écoutez, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous pensez de ce premier épisode. En attendant, on se retrouvera très prochainement, je pense, pour un prochain épisode. Je vais essayer, durant toute cette semaine, vu que il me semble que des personnes sont en vacances, il me semble qu'il y a des vacances, donc je vais essayer de faire le plus de vidéos possible pour cette semaine. Donc on se retrouvera très prochainement, donc prenez soin de vous et à la prochaine. Salut tout le monde!